Here we are on the bus for my first ever video, and the sun always shines on the righteous, as they say. It's just come out, which is why you can see it on my face. It's a lovely bright day here in Lettgate, and the story I would like to share with you, my very first story, is one of my favourite stories ever, and here it is. It's called Le Loup qui voulait changer de couleur. I'm doing this with permission from the author, Auriane Lallemand, who I met in Paris in 2016. And if you want to buy the book, you can get it from littlelinguist.co.uk. It is published by Ozu. They're big publishers, and that's it. If you own it already, then enjoy. I hope you enjoy my reading of it. And here it is. Le loup qui voulait changer de couleur. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Lundi, le loup essaya le vert. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla le corps. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama. « Quelle horreur ! On dirait une grosse grenouille ! Cela ne va pas du tout !» Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère, ainsi qu'une paire de bas écarlates. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama. « Nom d'un petit cochon! Maintenant, on dirait le Père Noël, moi qui déteste. « Teste Noël, cela ne va pas du tout !» Mercredi, le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose, il se regarda dans son miroir et s'exclama. « Perk, voilà que je ressemble à une princesse. Cela ne va pas du tout !» Jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleu. En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama. « Le bleu me donne très mauvaise mimine. Cela ne va pas du tout. » Vendredi, le loup mangea un panier d'oranges entiers. Puis il se colla soigneusement les écorces sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama. « Quelle horreur ! De près, on dirait une carotte géante, et de loin, je ressemble à un renard. Cela ne va pas du tout !» Samedi, le loup se roula dans une mare de boue. Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira. Oh là là, maintenant la boue me gratte et je sens mauvais. Cela ne va pas du tout. Dimanche, le loup alla à la chasse au paon.
il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Quand il fut paré des plumes du paon, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Oh, comme je suis beau cette fois! Mais c'était aussi l'avis de toutes les louves des environs. Toute la journée, elles lui tournaient autour en murmurant à ses oreilles. « Oh, comme tu es beau, mon loup !» Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit « Cela ne va pas du tout. Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup. » And that's the end of this story. And I love the fact that at the beginning it says it's for aux petits loups qui ne se trouvent pas beaux et qui le sont tellement. And the author, Oriane Lallemand, wrote this and it means to all the little wolves that think that they are not beautiful, but they are so beautiful. Thank you for listening. This was Nathalie Paris at Natalingo reading Le Loup qui voulait changer de couleur for you today. Au revoir!